Bonjour à tous, c'est Mayfield et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Stranger of Paradise. On a atteint l'étage 18 et on a une nouvelle faille du néant à faire. Donc on va rencontrer une nouvelle fois Gilga. Ici j'ai fait de légères modifications, j'ai tenté quelques builds mais sans vraiment grande conviction. Mon paladin est monté en maîtrise 200 et je viens de débloquer la maîtrise supplémentaire qui me permet de le monter à 230. Donc voilà, on pourra bien entendu, hop, il n'était pas dans le bon, on pourra le monter du coup un peu plus lors de mon farm, mais je n'ai pas changé son équipement. Par contre, j'ai augmenté bien entendu sa classe. Hop, oui, c'est ça qu'on utilise. Et on a monté des points ici parce que effectivement en dégâts de rupture, on était un peu léger. Mais en dépassant du coup les 200, je vais pouvoir effectivement remonter. Bref, sans plus tarder, ici on a débloqué Ridi. On a Bakti, qui est ici, et Sirena qui est apparue. Voilà, toujours cette Dena. Bref, on est parti. Je me suis mis full MP avec un super éther. Et puis, on a la cloche de monstre du Bombo qui va exploser. Est-ce qu'on prendrait pas celle du Curl? Peut-être. Peut-être, sachant... Hop. Merci, Loulout. Voilà, allez, sans plus tarder, let's go. Continuons cette petite histoire. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont tout misé, parce que je vois les gîtes spirituels et gardes, qu'ils ont vraiment tout misé sur les gîtes spirituels, sur ce DLC. Pourquoi ? Parce que quand on vient ici, à chaque fois, augmente la sagesse lorsque les gîtes spirituels réussissent. Tac, tac, tac. Il y a plusieurs choses à 600, voilà, lorsque l'égide spirituel réussit. Hop, l'agilité, augmente les PV max, etc., etc. Voilà, bref, donc, ça me faisait penser à ça, non? Ok, allez, c'est parti. Ok. On va se mettre comme ça. Ok. Ok, grâce à l'invisibilité, on s'est caché. Voilà, j'ai de la régène. On va se remettre le dessous. Ok. Voilà, bon. C'était pas mal parti. Ah oui, c'est vrai que j'ai ma queue de phénix. D'accord ? J'ai dit, c'est vrai que j'ai ma queue de phénix. On va reprendre ça. Ok. On va mettre un vortex. Ça, ça. Et on est parti. Oh, le coquin. Ça va qu'il m'a pas touché. Bon, ça passait pas trop mal. On sait très bien que la deuxième partie, c'est toujours la plus difficile. En fait, il faut que je lui mette... Je sais ce que je vais faire. Je sais exactement ce que je vais faire. L'invisibilité, c'est sympa, mais le renvoi, c'est mieux. Ok. Ok, hop, je crois que ça coûte moins cher de faire ça avec lui. J'active, hop. Bon, c'était tenté. Ça passe moins bien. On va recommencer. Vas-y, tue-moi, s'il te plaît. Please, kill me. Là, j'ai plus de queue de phénix. On va essayer de le passer comme ça. Je vais faire ça. Hop.
On s'est mis full, c'est parfait. Ça, c'est bon. Hop, 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 hop. C'est vrai que s'il te break, il te tue. Hop. Ah, il change d'attaque, le cochon. C'est bien, on a régène. Tranquille, tranquille. Ok. Tranquille. Je peux te l'ordonner. C'est vrai qu'il y a ça. Non. Ok. On va hop, réactiver lui. Prendre une super potion. Déflagration. Hop. Est-ce que je peux relancer ça et ça? Ok. Voilà. Aïe aïe aïe. Oh, on l'a esquivé. Voilà. C'est surtout ça qu'il faut que je fasse. Impasse totale, le vortex, le lunatique. On va. Oh. Ok, j'ai pas la bonne classe. C'est long, mais ça va passer. Hop, oula. Oh, on arrive à l'esquiver, ce truc là. Incroyable. Ok, c'est chaud hein. Ça reste très chaud là. Ok. Si on l'absorbe, on se met bien. On recule. Waouh. Est-ce que je peux raise Sophia peut-être? Ok. Pareil, Jed aussi. Non, art sacré. Ah là là, bah voilà. Là c'est la mort par contre. Bon, on était dans la panade sur le deuxième. Hein. Ce build a de grosses limites. Non, art sacré, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Nous on veut faire ça, ça, ça. Ok. Voilà. Et là on régène pas mal. Où tout s'est mis, a disparu, on va le remettre tout de suite. Je vais activer ça. Voilà, effectivement, quand il est sous. En fait, quand il est sous vulnérabilité élémentaire, on le démonte. Alors, c'est ça. C'est la mana par contre qui me manquait dans le monde. Puissance C avec mon vortex. Ouh. On va remettre ça. Ok, on va mettre ça. Non, c'est celui-là que je vais mettre. Oh, lâche-moi. Ok, on est reparti dans le fight. Ok, j'aime bien ça. Wow. Ok, c'est pas pour moi. Si je peux garder mes deux Ok, on va le break. Je régène, on régène. Si on se souvient de cette petite technique. Tac, on va relancer ça. Allez. On balance ça. On active les deux copains. Qu'ils soient tout de suite chaud 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 à le démonter.
Ok, moi je vais faire ça, 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 ça. Ça il peut pas me break. Ok, on va aller le chercher. Voilà, il est en faiblesse critique. Le au-dessous est pas passé. Ah ! C'est bête. Ok. On va faire ça. Voilà. Non, c'est encore pas ça que je veux. Ah ! Il me saoule ! Là, j'ai pas fait du tout le bon truc. Ok, moi je veux. Éter. Ok. Cloche du monstre. Au-dessous, il est reparti. Ah, change. Ok. C'est bien, c'est qu'on l'a quand même pas mal. Ok, on va changer. Non, on va se mettre comme ça. Oh. Pas mal tout switch. Ah, on a plus de trucs. On peut esquiver. Ok. Ok. Oh non, t'abuses. Ça. On va utiliser ça. Ok, on te le renvoie, raté. Ça marche. Le vortex spirituel. Ah, le coquin. C'est bon. Non, hop. Allez, on est sur la fin, Soso. Oh non. On était sur la fin, Soso. Ça devient chaud, hein. Ça devient chaud, mon build est assez limite. Complètement limité. Voilà, on prend le DPS comme il faut. Je suis plus au-dessous, je le sais, j'essaye juste. De DPS un peu. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber, il te touche, il te démonte. Et du coup, tu dois tout recommencer. Oh, arrête avec tes arts sacrés, toi. Et tu me saoules, là. Laisse-moi tranquille. Ok. Ok, on l'a mis en critique. Oh là là là, t'es relou, t'es juste relou en fait. Oh, il a pas eu le temps de dessous. N'importe quoi, n'importe quoi. Vas-y, on va le refaire, j'en ai rien à faire. Voilà, tue-moi, c'est bon. Est-ce que tu peux me tuer, s'il te plaît? Merci. Ah. Les cloches de monstres, c'est pas fou. Normalement, si je fais ça, 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 ça. Cloche de monstre, c'est là. Ok, on se barre vite. On relance ça. On met une super popo. Ok, on le fait. Au-dessous. Ok. Elle m'a mis bien là. Voilà. C'est régène, on a tout remis.
on se laisse pas avoir bêtement. Bon, vas-y, on se laisse pas avoir bêtement. En fait, c'était pas moi qui l'avais break. Non mais, ouais, d'accord. Soit. Ok avec ça. Ok, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Laisse-moi tranquille, please. Ok. Jutsu, ça va tenir. Danse du sabre, on s'en fiche. Super éther, je pense. De l'éther. Coup de soupe encore. Ok, c'est le moment. J'ai les sous-fantaisies. Et voilà. Bon, on va aller jouer avec les objets. On sera mort qu'une seule fois. Au final, faut laisser les alliés aller en pâture. Se jeter clairement. Et après, c'est vrai que j'ai même pas donné de pâture. En parlant de pâture, j'ai rien donné. Hop. Alors, ici, on drop vraiment du stuff. 465, c'est pas fifou, fifou. Je peux en dropper du 500, du 495, 490 plus. On dirait que je suis prisonnier d'un cycle de combat qui se répète sans cesse. Et ce n'est pas la première fois. Qui eût cru qu'il existait deux mondes ravagés par les conflits? Un lien qui m'est invisible et relie peut-être. Puisque je ne peux pas m'échapper, nous ferions sans doute mieux de devenir des alliés plutôt que des rivaux. Je rigole. Ah bon? Excalibur. Après Excalibur, nous avons Excalibur. Oh, pierre d'invocation pure. Ça, c'est cool. 6000 points, c'est parfait. Ça fait, ouais, 17 minutes. Regardez ce qui se passe, qui se trame dans la salle du cristal. Ok, Sirena, Bakti veut me parler. Tout le monde veut me parler, c'est parfait. Ici, j'ai besoin de Zantetsuken. Il n'y en a pas. Effet bénéfique, qu'est-ce que c'est? C'est sagesse d'azur, je ne connais pas. Serpent. Pas du tout. Que nous dit le forgeron du coup avec Excalibur? Il vous a aussi laissé une arme aussi précieuse que tu as là. C'est Excalibur. En tant qu'expert, j'aimerais bien pouvoir l'admirer, mais confier une arme aussi importante à quelqu'un d'autre, cela ne ferait qu'affaiblir la légende. Originairement, c'était une épée sacrée pouvant dissiper les ténèbres du monde, mais puisque la légende s'est répandue d'elle-même, en un rien de temps, elle est devenue un objet que quiconque pouvait obtenir. En quelque sorte, son ubiquité l'a maudite. Mais cette épée est celle qui fut l'origine des légendes. Elle renferme un pouvoir sacré puissant. Ton incarnation des ténèbres, tu ne pourras pas la manier. Cela te tuerait. Peut-être brandi par un être de lumière. Mais puisque tu l'as trouvé, j'enseignerai à un forgeron de ton monde comment la forger. Ce serait utile. Il doit y avoir un forgeron nain dans ton monde. Je lui montrerai comment faire. Ainsi, les guerriers de la lumière pourront devenir encore plus forts. Tu n'as pas à me remercier. Je le ferai pour repayer la mobilité de Chaos. Et du coup, pourquoi dans FF1 on récupère Excalibur par un forgeron nain? Celui qui est venu en aide à un tombé égaré. Ce sera ma modeste contribution à ton monde. Ok, donc il n'y a rien pour moi, mais quelque chose pour les guerriers de la lumière. Intéressant. Arme énigmatique, Léviathan, Bahamut. Ok, malheureusement, je vais me servir d'aucun des deux, parce qu'elle est trop faible. Hop. Du coup, on va récupérer, nous, les petits coffres. C'est ce qui me permet de monter. Voilà, l'illusionniste passe à 230. Je crois qu'on peut atteindre le 300. Que le DLC est sorti, du coup ils ont augmenté du coup la limite. Le Different Future est sorti. Hop, Ida. Je suis à la recherche de la bougie de maïs. Voilà. Pas de soucis. Bon, et ben peut-être qu'on va faire une petite faille ensemble. Tenez, hop. Voilà. Peut-être parler à tout le monde avant la faille, c'est plus important normalement pour activer les choses. Donne un cristal anima. Ah, il va se transformer. Voilà, donc quand on leur donne pas mal d'objets, après il se transforme effectivement. Donc là. Bon, je passe. Hein. En gros, il est devenu squelette. C'était un homme à la base. En fait, tous ceux-là sont des hommes. Ou des femmes. Mais. Il était amoureux.
Et en fait, il a été tué par du coup d'autres humains. Et il voulait du coup sauver sa femme. Du coup, il est sorti de, enfin sa femme, son amoureuse. Du coup, il est sorti de sa tombe. C'est devenu un mort-vivant. Et puis là, maintenant, il est énervé et il veut la tuer. Voilà, elle aime filer des trucs. Pas de soucis avec des souvenirs. Alors lui, qu'est-ce qu'il voulait? Une batterie haute capacité. Eh ben, je n'en ai pas. Alors, ici, trouver la distorsion. Coffre à essence magique augmentée. Eh ben, distorsion successive, ça me plaît pas. Coffre à essence magique. Éliminer le boss. On n'a pas le niveau. Et comme on vient de passer une faille, on est 19. Ça va faire mal. Non, distorsion successive. Coffre à essence magique. Puissance des ennemis, qualité de récompense baissée. Nous, on veut des coffres à essence magique. C'était quoi? Ok. Ça me va. De toute façon, il me faut 9005, donc on continuera. Le but, là, c'est d'ouvrir un maximum de coffres à essence pour augmenter, du coup, mon paladin et mes autres classes. 300. Comme ça, on sera prêt pour le futur. Oh, j'ai pas lancé le chrono du marathon. Cassé. Encore 20 minutes. Allez, on va le faire ensemble, celui-là. Ça, vous aurez un petit... un petit donjon, un petit fight un peu plus sympa que le Gilga, qui m'a quand même encore botté les fesses. Ici, vous allez voir que c'est nous qui leur bottons les fesses. Vas-y, donne-moi ton brasier. Hop. On va te le balancer dessus. Non, je vais être ça. Sur toi qu'on va le balancer. Sur le morbol. Alors. Ah, vous voyez, ici, beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple et je ne suis pas, j'ai même pas activé mes petits trucs que l'on va activer dès maintenant. C'est pas mal ce petit renvoi, moi j'aime bien. Déjà tombé. Donc ouais, en termes de rupture, on a du coup, pas mal de ruptures. On va relancer le dessous et on va les mettre là. Dès qu'on affiche une altération d'état, grâce au tyran, on tape en tout simplement critique. On part aussi, il n'y a pas des coffres, hein, parce qu'on a dit coffre augmenté. Et voilà, dès que la réitération est passée, ça fait mal. Il faut juste qu'elle passe, la réitération. Voilà, elle est passée. On va pouvoir le démonter. Voilà. Ici, vous voyez, hein, en critique, la jauge de rupture, elle fond. Donc le build marche toujours, en tout cas pour les petits monstres. Wow! C'est pour ce genre de truc qu'on fait attention. On va mettre ça, ça, ça. Ça. Ok, on la break. Dis donc, t'es un peu énervé lui. On va relancer ça. Ça me sauve la vie. Pourrait le changer. Effectivement, il est. Comment dire? Ici, je n'ai plus, en fait, quand je suis dans les failles comme ça, je n'ai plus de points de sauvegarde, donc pour régénérer ma mana. Il y a d'autres façons. C'est surtout que le tout s'est mis, une fois que je l'ai utilisé, bah après... après, elle roule, quoi. Il n'y en a plus. 300. Nous, on voulait avoir des coffres mentionnels. Hop. L'altération est passée. Hop. C'est bien, on récupère quand même pas mal de mana. Je vais remettre ça, ça, ça. Et pas un coffre là? Non. Petit coffre, où êtes-vous? Hop, la garde de Sophia s'est arrêtée. Oui, les coffres, trois coffres. Intéressant. Plus les gardiens qui sont toujours un peu plus durs que d'habitude. Voilà. Fois qu'ils sont au sol. Voilà, heureusement que nos amis courent sur les côtés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Chevalier noir qui monte à 200. Vous avez vu, même le chevalier noir, je l'avais pas à 200 et c'est 300 le maximum. Mage bleu qui passe. De l'éther, on s'en fiche. Un trésor. Toujours des sous-sous. On va réactiver ça, ça et ça. Voilà. Oh. Ok. Ça a été chaud là, on se mangeait une petite paralysie. Hop, et on peut le rebalancer ici. C'est lui là qui m'énerve.
C'est n'importe quoi, je vais crever. On va lâcher ça, on va faire ça, donne-moi ça, je te le renvoie comme il se doit. On va activer ça. On va activer aussi une super potion. Allez, la noctule. On va lui montrer c'est qui le papa. Voilà. Ok. Tranquillement, tranquillement, petite noctule. Chaque fois qu'on tue, d'accord, un monstre chaotique, on peut sortir. Ça, une pierre d'invocation, c'était super utile. Je ne vais pas vous la donner. Même si je suis au max, entre guillemets, de mes invocations, il me faut plus que des pierres d'invocation pures. Ça, c'est de l'éther, j'en ai pas besoin. On se dit que par là, il y a des coffres. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça, en fait. Faut remettre notre jauge et pas se faire break. Il est par terre quand même. Voilà, il le prend direct. Ok. Bon, petite balade de santé, hein. On se balade. J'ai enlevé du coup le héros du chaos qui me mangeait tous mes PM et qui me permettait de ne pas en récupérer. Donc là, on a mis du coup le petit. Là, il y a un coffre. On a mis le petit illumination. Relancer ça. On n'est pas invincible non plus, hein. Faut faire attention à tout ça. Ok. On a tué tous les monstres chaotiques. La faille est à 921. Et on va s'arrêter ici. Voilà. Bon, moi, je vais continuer à monter. Et on se retrouve pour la prochaine faille du néant. En espérant pouvoir la passer. Cette fois-ci, parce que l'autre était quand même chaud, chaud, chaud. Je sens que je fais de moins en moins de dommages. Il faut vraiment que je change de build, mais je m'attendais du coup à trouver autre chose. Tant pis, ici, il va falloir que je continue à farmer. Dégâts infligés à Gilga. Ouais, mais j'ai pas de truc. C'est embêtant. C'est la rupture surtout. Avec rupture max. Ouais, s'il me touche pas, je fais plus de dégâts de rupture. Je vais le garder. Je vais le garder. Il y a un petit coffre là-bas. Et on va débloquer le mage rouge. Vous voyez, il y en a qui sont même pas toujours. Ils sont toujours pas 200. Hop, cristal d'essence magique. Rien du tout. Et un cantateur. Oui, un cantateur. Il est même pas. Ok, sinon rien de nouveau. Ah, avec vous, on va découvrir un nouvel petit ami. C'est quoi ça? Ah, Psychoquack. Eh bien, si ce n'est pas notre chef Chaos, je m'appelle Aurore. Matériel de vous rencontrer, je rappelle Jean Brûlé. Ok, qu'est-ce que tu veux? Bref, on s'en fiche, je vais retenir. Pour l'instant, vos pouvoirs sont revus, vous devez donc rester avec l'expérience. Oh, il veut des expériences. Lui, je ne peux rien faire pour toi, j'ai toujours pas de truc. Ready. Cristal. Et mais annule rupture. Ok, bon bah moi, je vais continuer. Et nous, on va se laisser ici sur cette petite vidéo de 30 minutes. Et on se retrouvera du coup pour l'étage un peu plus que 20, je pense. Non, là c'est chaud, éliminer tous les ennemis, éliminer le boss. Distorsions successives. Je vais voir. Je vais tester celle-là. Je vais tester celle-là solo. Ça se trouve, je vais me faire retourner. Et du coup, je perdrai un peu de points. Bref, allez, sur ce, j'espère que cette histoire continue de vous plaire, cette petite aventure. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Il faut juste que je change mon build par un autre build. Mais pour ça, il me faut du farm. Et le farm, c'est chiant. Donc bon. On va y aller tranquillou, je vais avancer, dès que je serai bloqué, j'aurai pas d'autre choix que d'aller farm. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus pour de nouvelles aventures!